ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد يا إخوتي الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشغر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أعادنا الله منها. طيب يا إخوتي الكرام، نواصل درسنا، درسا يتعلق بمسألة السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم بالسيف واللسان. وقد قلنا بأن هذه المسألة أصل من أصول المنهج النبوي، نعم، أصل من أصول المنهج السلفي أو منهج أهل السنة والجماعة أو المنهج النبوي. طيب، وقد ذكرنا في الدرس الأول من هذا الباب الأدلة الكثيرة المحكمة في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين وعدم الخروج عليهم. فقد أسرد المؤلف نصوصا من الكتاب وأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر محل اتفاق بين العلماء. Donc je disais, mes frères, que nous continuons, inshallah, le darf sur le sujet qui nous intéresse, c'est l'obéissance et l'écoute qui est due au gouverneur musulman et le fait de ne pas se rebeller, de se révolter contre eux, que ce soit par l'épée, par les armes ou alors par la langue. Nous avions vu la semaine dernière dans le premier cours concernant ce chapitre, que le Mu'allif, l'auteur du livre, a cité des textes clairs, sans équivoque, nususun muhkama, tirés du Coran et de la Sunna, concernant ou montrant l'obligation religieuse de l'écoute et de l'obéissance au gouverneur, à la seule condition qu'il nous appelle à quelque chose qui est conforme à la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Par contre, s'ils appellent à une désobéissance, il n'y a ni écoute, ni obéissance. De même, nous avions aussi montré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a strictement interdit la révolte sur les gouverneurs. Non. Mais bien au contraire, il a enjoint la patience. Après avoir évoqué tout ceci, Inch'Allah, on reviendra sur certaines de ces preuves en expliquant en détail certains de ces hadiths qui viendront nous montrer quelles sont les conditions pour pouvoir sortir ou se révolter contre un gouverneur, si on peut dire ça comme ça. Alors, le cours d'aujourd'hui, mes frères, comme je l'avais expliqué, il va nous rappeler un petit peu comment s'étaient comportés nos pieux prédécesseurs face aux grandes épreuves qui ont touché les musulmans et ces épreuves-là qui sont directement liées au sujet que nous traitons, qui est l'obéissance au gouverneur musulman. Naam. Idhan, yaqulu al-mu'allifu hafidhahullah tabaraka wa ta'ala wa ta'ammal fi masalik al-a'immati min ahli sunnati fi hada al-amr al-jalal ma'a ma waqa'a min al-mukhalafati al-azimati wal-athami al-jasima. Médite sur le cheminement que fut celui des grands imams, des gens de la Sunna sur ce point important, et ce qui survint comme grande transgression et violation et importante désobéissance.
Et là, mes frères, on va rentrer dans un sujet, un point de l'histoire. Un point noir ou un point blanc, selon la façon dont on l'aborde. Un point noir, en considérant le fait qu'il a causé beaucoup de tort aux musulmans et à l'islam. Mais un point blanc ou un point positif, en prenant considération du fait que les gens, les grands imams qui ont surmonté cette épreuve sont devenus des exemples pour nous. Hein? Comme on va le voir, Inch'Allah, au tabaraka wa ta'ala, à travers trois ou quatre de ceci. يقول المؤلف وكان الواثق شديدا على أهل السنة وكان آخذا بمذهب الاعتزال حتى النخاع وكان جهميا جلدا وكان يدعو إلى تعطيل ربنا تبارك وتعالى عن صفاته وكان يدعو إلى خلق القرآن بحد السيف حتى إنه قتل بيده أحمد بن نصر رحمه الله تبارك وتعالى يتقرب بقتله إلى الله الواثق كي يتي un كاليف كان خليفة من خلفاء العباسيين c'est un كاليف de la dynastie des Abbasides. Un descendant d'Ibn Abbas. Naam. C'était le fils d'Al-Mu'tasim. Et c'était le neveu d'Al-Ma'moun. Je cite ces deux-là car ce sont ses prédécesseurs dans le califat. Al-Wathiq, billah, était virulent envers les gens de la Sunna. Il avait adopté comme voix celle des Mu'tazila et comme le dit l'auteur, jusqu'à la moelle. Hatta Nuhar. Ce fut un djahmite convaincu qui appela à renier les attributs divins appela par la lame de l'épée à dire que le Coran était créé jusqu'à ce qu'il tua de sa propre main Ahmad ibn Nasr al-Khuzai, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, cherchant par ceci à se rapprocher d'Allah. Imaginez-vous un petit peu, mes frères. Yaqtul had al-imam Ahmad ibn Nasr al-Khuzai wa kana amiran kazalik. يقتل هذا الإيمان ويتقارب به بهذا القتل إلى الله تبارك وتعالى نعم يحسبه حسنة يتقارب بها إلى الله تبارك وتعالى Imaginez-vous que par la mort de cet imam ou par l'exécution de cet imam il cherche à se rapprocher d'Allah ceci plante le décor et on va voir que والله mes frères هذه الوقائع مؤسفة ces événements ils sont attristants mais au final العاقبة كما يقول الله تبارك وتعالى إن العاقبة للمتقين La bonne fin elle appartient toujours aux gens pieux لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق Comme nous avions déjà évoqué ce hadith pour information Al-Wathiq Billah a pris ou est devenu calife en l'an 227 de l'Hégire et il est mort en 232 طيب يقول المؤلف وأما الأستاذ أحمد بن نصر الخزاعي ذو الجنان واللسان والثبات وإن اضطرب المهند والسنان والوثبات وإن ملأت نار الفتنة كل مكان فإنه كان شيخا جليلا قوالا بالحق أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر وكان من أولاد الأمراء وكانت محنته على يد الواثق. Il dit quant à Ahmad ibn Nasr al-Khuzai, celui au cœur et à la langue et à la fermeté reconnue, quand bien même venait s'agiter autour de lui l'épée, la lance ou bien les assauts et les agressions. كان ثابتا قوالا, c'est-à-dire قوالا بالمعروف نهاء عن المنكر, c'est quelqu'un qui a appelé et qui s'adonnait à ordonner le convenable et à interdire le blâmable. Quand bien même venait s'agiter autour de lui l'épée, la lance ou bien les assauts et les agressions, ou alors venait occuper tout endroit le feu des troubles et des dissensions, il fut certes un illustre savant, éloquent sur la vérité, ne cessant d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Il était issu d'une famille de dirigeants et son épreuve fut par la main de l'Ouathiq. Il était issu d'une famille de dirigeants et son épreuve fut par la main d'Al-Wathiq. Pourquoi le Mu'allif ici nous introduit par les caractéristiques de cet imam ?
car justement, il va être un protagoniste dans ce qui va suivre. Il va être exécuté et il va être mis sur les pieux, c'est-à-dire sur la potence, à titre d'exemple et d'exhortation pour toute personne qui voudrait faire comme lui, comme on va le voir, Inch'Allah. فَقَالَ لَهُ الْوَافِقُ مَا تَقُولُ فِي الْقُرْآنِ. Que dis-tu au sujet du Coran? Nous avions expliqué ceci, mes frères. Parmi les déviances des Mu'tazila, il y a ce principe qui est مَسْأَلَةُ الْقُرْآنِ, ce qu'on appelle مَسْأَلَةُ الْقُرْآنِ, à savoir que les Mu'tazila, de par leur reniement des attributs divins, ils renient par là même l'attribut divin de la parole. Donc, par la force des choses, il renie le fait que le Coran est la parole d'Allah. Mais il dit, c'est une créature parmi les créatures. Nous savons que ceci est faux. La parole, le Coran, est la parole d'Allah. Et les preuves sont nombreuses dans le Coran et dans la Sunna. Ce n'est pas ici l'endroit pour étayer toutes ces preuves. Alors, Al-Wathiq, qui était très virulent sur ce principe-là, plus que ses deux prédécesseurs, plus que Al-Mu'tasim et plus qu'Al-Ma'moun. Les historiens disent qu'il appelait jour et nuit à cette déviance. Il lui a dit, « Mada taqulu fil Qur'an ?» Que dis-tu sur le Qur'an ? On dit, est-ce qu'il est créé ou est-ce qu'il est non créé ? Est-ce que c'est la parole d'Allah ou est-ce que c'est une créature d'Allah ? Faqal, kalamullah. Qala l'imam Ahmad ibn Nasr al-Khuza'i, qala kalamullah. وأصغر على ذلك غير متلعثم. Il a dit c'est la parole d'Allah. Il a perduré sur cette parole sans faire preuve de balbutiement ou sans bafouiller, sans émettre aucun doute, convaincu. هذا اعتقاد يا اخوتي الكرام, c'est une croyance. الاعتقاد المعتقد لا يتزحزح في عقيدته لأن الاعتقاد مبني على اليقين. Car la croyance, mes frères, elle doit être basée sur la certitude. Est-ce qu'on doute que Allahu wa Rabbul Alamin, qu'Allah est le Seigneur des mondes? Est-ce qu'on doute que Allah il a suscité ses prophètes, il a descendu ses livres? Est-ce qu'on doute sur le jour dernier? Man shakka fi hadha fa huwa kafir billah. Donc, fi masa'il al-i'tiqad al-muttafaq 'alayha, لا يجوز أن يشق فيها الإنسان. Il n'est pas permis de douter là-dessus. De même, concernant les attributs divins, le fait de renier les attributs divins, c'est une mécréance. Donc, il a dit كلام الله. فقال بعض الحاضرين هو حلال الدم. Certaines personnes qui étaient présentes, parmi dans la cour du calife, ils ont dit هو حلال الدم. Son sang est devenu licite. فقال ابن أبي دؤاد, ابن أبي دؤاد بتانة الصو, c'est le mauvais conseiller. ابن أبي دؤاد المعتزلي, c'est le mauvais conseiller de الواثق, comme c'était le mauvais conseiller de المعتصم avant lui. Il a dit, يا أمير المؤمنين شيخ مختل لعل به عاهة أو تغير عقله يؤخر أمره ويستتاب. Il lui a dit, ô prince des croyants, c'est un vieux pris de folie. Il se peut qu'il soit touché par une infirmité ou une maladie, ou bien que sa raison ait été altérée. Retardons son cas et laissons-lui le temps de se repentir. Il lui a trouvé une excuse. فقال الواثق ما أراه إلا مؤديا لكفره قائما بما يعتقده من ثم دعا بالصمصامة وقال إذا كنت إليه فلا يكومن أحد معي فإني أحتسب خطاي إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها ثم أمر بالنتع فأجلس عليه وهو مقيد وأمر بأن يشد رأسه بحبل وأمرهم أن يمدوه ومشى إليه فضرب عنقه
وأمر بحمل رأسه إلى بغداد فنصبت بالجانب الشرقي أياما وبالجانب الغربي أياما. انظر طبقات الشافعة الكبرى. Écoutez bien mes frères. El-Wathiq il a dit quoi? Après que Ibn Abi Duwad a cherché une excuse, il a dit la'allahu shaykhun mu'tal, la'allahu bihi'ah. Non, une infirmité, il se peut qu'il soit pris de folie, il ne sait pas ce qu'il dit. Retardons son cas afin qu'il ait le temps de se repentir. El-Wathiq, ماذا قال? On ne voit en lui qu'une personne appliquant sa mécréance, accomplissant ce dont il croit fermement. Il demanda qu'on lui ramène al-samsam. Al-samsam, c'est une épée. كما يقول المؤلف كانت سيفا لعمر بن معد يقرب الزبيدي اهديت لموسى الهادي في ايام خلافتي وكانت صفيحه موصوله في اسفلها مسموره بثلاثه مسامير. السمسام c'est une épée qui appartenait à Amr ibn Ma'd Yakriba al-Zubaydi et qui fut donnée en cadeau à Moussa al-Hadi lorsqu'il était calife. Il a demandé qu'on lui ramène cette épée, Samsam. Il a dit, si je me charge de lui, que personne ne vienne m'assister. Je vais certes compter mes pas vers ce mécréant qui adore un seigneur autre que celui que nous adorons et dont nous ne reconnaissons pas les attributs par lesquels il le décrit. Il ordonna qu'on lui ramène un tapis en peau, ce qu'on appelle le neta. Puis on l'assia dessus. Un neta, c'est un tapis en peau, mais en général c'est un tapis qu'on mettait exclusivement pour ce genre, pour les exécutions. Afin de ne pas tacher le sol. Il dit, il ordonna qu'on lui ramène un tapis en peau, puis on l'assia dessus, enchaîné par des liens. On ordonna qu'on lui attacha la tête avec une corde et ordonna qu'on l'attende. Il s'avança vers lui et lui frappa le cou, puis il ordonna qu'on ramène sa tête à Bagdad. Elle fut accrochée à l'est de la ville pendant plusieurs jours, puis fut déplacée à l'ouest de la ville. Allahu Akbar, mes frères. وقد علق في أذن أحمد بن الناس الخزاعي رحمه الله تبارك وتعالى رقعة فيها هذا رأس الكافر المشرك الضل أحمد بن نصر ممن قتل على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبيه وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق فأبى إلا المعاندة والتصريح فالحمد لله الذي عجله إلى ناره وأليم عقابه بالكفر فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه عليه من الله ما يستحق. Il a dit, il fut accroché aux oreilles de l'imam Ahmed ibn Nasr al-Khuzai رحمه الله تبارك وتعالى un morceau de tissu ou de papier, sur lequel fut écrit « Voici la tête du mécréant polythéiste égaré Ahmed ibn Nasser, qui fut exécuté par les deux mains d'Abdillah Haroun al-Imam al-Wathiq Billah, prince des croyants, après que l'argument lui fut présenté concernant la création du Coran et la non-assimilation d'Allah avec ses créatures, que lui fut proposé le repentir en lui facilitant le retour vers la vérité. » Il ne répondit que par l'entêtement et la proclamation de sa croyance. La louange appartient à Allah qui lui a précipité la destination vers son feu, son douloureux châtiment, et ceci de par sa mécréance au regard de tout ceci. Le prince des croyants a rendu licite son sang et l'a maudit. Voilà la réalité des choses, mes frères. Naam, as-sura' bayna al-haqq wal-batil. نعم منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. Le conflit entre la vérité et le faux, elle existe depuis l'avènement du prophète jusqu'à nos jours. Et elle perdurera jusqu'à la fin des temps. Donc, que ceux qui disent, on est tous des frères, et même ceux qui vont plus loin parmi les musulmans qui disent, on est tous des frères dans l'humanité, qu'ils se taisent et qu'ils reviennent au livre d'histoire. نعم.
وكان أحمد بن ناصر الخزاعي رحمه الله تبارك وتعالى من أكابر العلماء العاملين، وممن كان قائما بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يزل رأس أحمد بن نصر منصوبا ببغداد من يوم الخميس 28 من شعبان من سنة 31 و200 إلى بعد عيد الفطر بيوم أو يومين من سنة 37 و200، فجمع بين رأسه وجثته ودفن بالجانب الشرقي من بغداد بالمقبرة المعروفة بالمالكية رحمه الله تبارك وتعالى. ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. إلدي أحمد بن ناصر رحمه الله تبارك وتعالى faisait partie des grands savants qui œuvraient, ordonnaient le convenable et réprouvaient le blâmable. La tête de Ahmed bin Nasser n'a cessé d'être accrochée à Bagdad. Et Ibn Kathir, il est précis concernant les dates ici. Elle a été accrochée le jeudi 28 du mois de Sha'ban en l'an 231 de l'Hégire, jusqu'à la fête de la rupture du jeûne, ou un ou deux jours après, en l'an 237 de l'Hégire. Combien d'années elle est restée? Presque 6 ans. 7 ans. 6 ans. Puis on rassembla son corps et sa tête et il fut enterré à l'est de la ville de Bagdad dans le cimetière connu sous le nom d'Al-Malikiya. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Quand j'ai lu ça, mes frères, j'ai dit peut-être qu'il y a une erreur d'impression. Il est resté 7 ans. J'ai été revérifié dans le bidah wa nihaya. Naam. Hatta atathabbat min al-naql. Jusqu'à ce que je me rende bien compte qu'effectivement, Ibn Kathir a rapporté ceci, bil harf. De cette date-là à cette date-là. Avec l'écriteau qui a été suspensionné. Naam. Voici la tête de Ahmed ibn Nasir, tuée par les mains, etc., etc. والله يا إخوتي الكرام نحن نتقرب إلى الله بحب الصالحين الذين تحلوا بالثبات في المحن. Ceux qui ont fait preuve de fermeté dans les épreuves. Et comme on l'avait vu durant les cours qui nous ont précédés, durant les premiers cours, parmi un des signes distinctifs des gens de la sunna, الثبات على الحق. نعم. وعدم التزحزح. C'est la fermeté dans la vérité et la non-vacillance, contrairement aux gens d'innovation. يقول المؤلف وقد ضرب في المحنة محمد بن نوح ابن ميمون ونعيم بن حماد وقد مات في السجن مقيدا. Il dit durant ces troubles, durant ces périodes de troubles, furent frappés Muhammad ibn Nuh ibn Maymoun et Nu'aym ibn Hamad. Et ce dernier-là mourra en prison, enchaîné. Ça, c'est des grands savants, mes frères. Nu'aym ibn Hamad. Muhammad ibn Nuh ibn Maymoun. C'est des grands savants, mes frères. Ils sont parmi les rares, parmi les grands savants qui ont gardé cette position ferme. Kanu yusarrihuna bi'adami khalq al-Qur'an. Ils ont été explicites concernant leur croyance sur le fait que le Coran n'a pas été créé. Et que c'est la parole d'Allah incréée. Parmi les grands savants, il y a eu ces gens-là. Il y a eu l'imam Ahmed, et il y a eu Ahmed ibn Nasr al-Khuzayi, et il y a eu un autre imam qu'on va voir, Inch'Allah, l'imam al-Buwaiti. Taïm. وَلَمَّا أَرْسَلَ الْوَاثِقُ نَائِبَهُ مِنْ أَجْلِ فِدَاءِ أَسْرَ الْمُسْلِمِينَ بِأَسْرَ الْرُومِ كَانَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ كُلٌّ عَلَى جَانِبٍ مِنْ جِسْرٍ والمبادلة تقع فوق الجسر فقال لنائبه إذا جاء الأسير من المسلمين من عند غروم وأنت تقدم الأسير غرومية في المقابل فاختبر من قدم لك من المسلمين قل له القرآن مخلوق فإن قال نعم ففاده وإلا فارجعه إلى غروم لا حاجة لنا فيه. انظر إلى هذا الخبيث. Il a dit, lorsque le Wathiq envoya son émissaire afin de procéder à l'échange des prisonniers, chose qui était en vigueur à l'époque, Naam, lorsqu'il y avait des prisonniers de guerre chez les ennemis et des prisonniers mécréants chez les musulmans, on pouvait faire ce qu'on appelle
Al-mubadala, bin usara, l'échange de prisonniers, ou alors l'échange contre rançon. Donc il dit, lorsque Al-Wathiq envoya son émissaire afin de procéder à l'échange des prisonniers musulmans contre les prisonniers romains, chacun des deux groupes se tenant de part et d'autre d'un pont afin de procéder à l'échange. Il lui dit avant de partir, lorsqu'un prisonnier musulman se présente et que toi tu lui renvoies un prisonnier romain, éprouve-le et teste celui qui te sera présenté parmi les prisonniers musulmans. Et dis-lui, est-ce que le Coran est créé ? S'il te dit oui, procède à l'échange. Si ce n'est pas le cas, renvoie-le chez les Romains, nous n'avons pas besoin de lui. Yuwali wa yu'adi fi hadhihi al-bid'ah. Il fait l'alliance et le désaveu sur la bid'ah. Alors qu'ici, dans fi masalih al-'am, on ne regarde pas justement si un tel est mubtadi ou s'il ne l'est pas. Non, dans ce genre de situation, on regarde al-ruwa fi al-islam qabla kulli shay'in. Al-Wathiq, il a innové dans ceci, comme le dira Cheikh Aslan. C'est une innovation religieuse qu'il a fait ici, en considérant et en conditionnant le fait que pour qu'il soit libéré, il faut qu'il soit sur sa croyance à lui. Hadi bid'atun min al-qawl. Allah al-musta'an. Ibn Kathir yaqul fi al-bidayati wa al-nihaya fi ahdath sanati 31 wa 200. وفي هذه السنة قدم خاقان الخادم من بلاد الروم وقد تم الصلح والمفادات بينه وبين الروم وقدم معه جماعة من رؤوس أهل الثغور فأمر الواثق بامتحانهم في قول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة فأجابوا إلا أربعة فأمر الواثق بضرب أعناقهم إن لم يجيبوا بمثل ما أجاب به بقيتهم. ابن كثير rapporte dans le bidah et nihaya concernant les événements de l'année 231. Durant cette année, Khaqan al-Khadim revint des contrées romaines avec un groupe parmi les grands combattants. Ahl al-Thughur, c'est ceux qui combattent dans le front. C'est ceux qui sont au front des combats. Il a dit, il revint parmi les grands combattants du front après que la conciliation et les rançons furent conclues entre lui et les Romains. Al-Wathiq lui ordonna de les éprouver, d'éprouver ces gens-là qui sont venus avec lui concernant la création du Coran et concernant le fait qu'Allah ne sera pas vu dans l'au-delà. Car parmi la croyance des Mu'tazila, c'est qu'Allah ne sera pas vu dans l'au-delà. Ne répondirent que quatre parmi eux. Al-Wathiq ordonna de frapper le coup de tous les autres qui ne répondraient pas selon la réponse de ces quatre-là. Wa amara al-Wathiq aydan bimtihan al-usar al-muslimin alladhina fudiya anhum bidhalika. فمن أجاب إلى القول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة فودي وإلا ترق في أيدي الكفار. الواثق أردنا aussi de tester les prisonniers musulmans issus de la rançon selon cette méthode. Tous ceux qui répondirent que le Coran est créé et qu'Allah ne pourra être vu dans l'au-delà furent libérés contre rançon, sinon ils étaient laissés entre les mains des mécréants. يقول شيخ رسلان حفظه الله تبارك وتعالى وهذه بدعة عفوا هذا كلام ابن كثير عفوا هذا كلام ابن كثير وهذه بدعة صلعاء شنعاء عمياء صماء لا مستند لها من كتاب ولا سنة ولا عقل صحيح بل الكتاب والسنة والعقل الصحيح بخلافها. إجي ابن كثير, ceci est une innovation. Regardez comment il l'a décrit, Ibn Kathir. Il l'a décrit sous l'apparence d'un homme à l'aspect ignoble. Une innovation chauve, odieuse et vile, aveugle et sourde. N'ayant aucun fondement provenant du livre, ni de la sunna, ni de la raison saine. Mais à contrario, le livre, la sunna et la raison saine sont en opposition à ceci. Non ? وكان وقوع المفادات عند نهر يقال له اللامس وعند سلوقية بالقرب من ترسوس أو ترسوس. Il dit l'échange et les rançons avaient lieu près du fleuve dénommé اللامس à Salouqiyah près de la ville de Tarsus. D'accord, c'est dans l'actuelle Syrie. Non.
ولكن الواثق il ne s'est pas arrêté à ça. نعم. Il ne s'est pas attaqué seulement aux savants, mais il a imposé sa croyance à l'ensemble de la société. Regardez ce qu'il a fait. Quand je vous disais que Al-Madhhab al-Mu'tazili est devenu une religion d'État, souvent je dis ça, car c'est devenu une religion d'État par la lame de l'épée et le claquement des fouets, comme on dit. بحد السيف ووقع الصوت وقرر ذلك المعتقد تقريرا في المكاتب للصغار وهم يستظهرون كتاب الله تبارك وتعالى وفي المساجد ونحي عن الخطابة والتدريس والإمامة والقضاء كل من لم يقل بخلق القرآن. Cette croyance fut établie par la force dans les écoles pour enfants où ils apprenaient le livre d'Allah par cœur. Dans les mosquées, et toute personne ne proférant pas cette parole, c'est-à-dire le Coran écrit, était interdit de prêche, de dispense de cours, d'imama et de judicature, c'est-à-dire le fait d'être qadi. On lui interdisait tous ces postes-là. Comme ce fut le cas de l'imam Ahmed, qui a été interdit de prêche, de tadris, c'est-à-dire de dispenser des cours. Il a été interdit de imam, il a été interdit de parler. والعلماء الذين تنعوا من القول بخلق القرآن أوذوا وعذبوا من أيام المأمون إلى أيام المتوكل رحمه الله تبارك وتعالى كما هو معلوم في المحنة وضرب الإمام أحمد رحمه الله ومات البويتي رحمه الله في السجن في أغلاله. Les savants qui s'interdisaient de proférer cette parole, parole de mécréance, étaient persécutés et châtiés, et ceci depuis l'époque del Ma'moun jusqu'à l'époque del Mutawakkil. El Ma'moun, c'est le fils de Haroun al-Rashid. Haroun al-Rashid, c'est un calife qui était sur la Sunna. Voilà que les déviants sont apparus à l'époque del Ma'moun. Il dit ici, les savants qui s'interdisaient de proférer cette parole étaient persécutés et chassés et châtiés, et ceci depuis l'époque del Ma'moun jusqu'à l'époque del Mutawakkil, c'est-à-dire durant trois mandats de calife. El Ma'moun wal Mu'tasim, le frère del Ma'moun, wal Wathiq, qui est le fils del Mu'tasim, et le neveu del Ma'moun. Ensuite, El Mutawakkil, lui, était sur la sunna, naam, et il a remis en vigueur la croyance des gens de la sunna à son époque. C'est pour ceci, vous verrez que lorsqu'on évoque son nom, natarahham alayhi al-mutawakkil rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Comme ceci est connu concernant ses troubles, l'imam Ahmad rahimahullah fut frappé et al-Buwaiti mourut en prison dans ses chaînes. Rabi'a yaqul. Donc ici, Rabi'a Ibn Sulayman al-Muradi, un des grands élèves de l'imam Shafi'i, rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, un des trois grands élèves de l'imam Shafi'i, Rabi' ibn Sulayman al-Muradi, le deuxième c'est le Mozani, le troisième c'est le Buwaiti, dont on va parler inshallah. Naam. Abu Ya'qub Yusuf ibn Yahya al-Buwaiti. Rabi' il rapporte, il dit, كان al-Buwaiti أبدا يحرق شفتيه بذكر الله وما أبصرت أحدا أنزع بحجة من كتاب الله من البويتي. Rabi' dit, البويتي ne cessait de remuer ses lèvres dans l'évocation d'Allah. Je n'ai vu personne plus décisif dans l'extirpation des arguments tirés du livre d'Allah comme البويتي. Il a même des éloges directs de l'imam Shafi'i qu'il le considérait comme son khalif, c'est-à-dire comme son successeur. Il dit, قال ربيع بن سليمان فلقد رأيته على بغل وفي عنقه غل وفي رجليه قيد وبين الغل والقيد سلسلة حديد وهو يقول إنما خلق الله الخلق بكن فإذا كانت مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بمخلوق ولئن أدخلت عليه لأصدقنه يعني الواثق ولا أموتن في حديد هذا
حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم. Il dit, Rabih, avant de vous traduire ceci, je vais vous rapporter quelque chose qui n'est pas dans le livre. Inch'Allah. L'imam al-Zahabi, يقول, كتب فيه, يعني في الإمام البويتي, ابن أبي دؤاد إلى ولي مصر. Donc, ابن أبي دؤاد, il a envoyé une lettre au gouverneur d'Égypte en évoquant le cas de al-Buwayti. Il lui a dit, il faut que tu l'éprouves. Ça veut dire, pose-lui la question, est-ce que le Coran est créé? Oh, l'imam al-Buwayti, falam yujib. Il n'a pas répondu à ceci. Wa kana al-waliyu hasana ra'ya fihi. Mais le gouverneur avait une bonne opinion de al-Buwayti. Il lui a dit, faqala lahu, qul fi ma bayni wa baynak. قال إنه يقتدي ب 100,000 ولا يدرون المعنى. Ça, ça veut dire quoi, mes frères? Il lui a dit, le gouverneur d'Égypte, il a dit à Al-Buwayti, قل في ما بيني وبينك. Il a dit, dis, pour ce qu'il y a entre toi et moi, dis ce qu'ils veulent que tu dises. Naam. Dans la version de Tariq Dimashq ibn Asakir, l'imam al-Buwayti, il a dit quoi? Il a dit, لا أقول أقتدي بي أنا بل يقتدي بي 100,000. Il a dit, je ne dis pas que mes propos n'engagent que moi, mais il y a 100,000 personnes derrière qui me suivent. 100,000 personnes, 100,000. لا يدرون المعنى ولا السبب بل يقلدون. Si je dis moi que le Coran est créé, ils ne vont pas comprendre ce que ça veut dire. Ils vont dire, Abu Ya'qub a dit le Coran est créé. Hakaza. Et cette parole va se répercuter dans les siècles postérieurs. Naam. Donc l'imam al-Buwayti a dit, cette parole, elle n'engage pas que moi. Mais je suis suivi derrière. 100,000 personnes derrière moi. Si ce n'est plus. Il a dit, la aqulhu, je ne la dirai pas. Alors, comme le rapporte l'imam al-Zahabi ici, il dit, قال الربيع, وكان أمر أن يحمل إلى بغداد في 40 رطل حديد. Il fut alors ordonné, il fut expatrié à Bagdad, avec à son cou, ou enchaîné dans des liens, comme on va le voir, et certains disent qu'il avait une taube, une brique, une labna, qui pesait 40 ritlan, un ritl al-misri, il fait un demi-kilo. Ça fait à peu près 20 kilos plus les chaînes sur lui. Naam, qu'il devait porter. Je reviens à la parole de Rabi' ibn Sulayman. Il a dit, je l'ai vu sur une mule, un carcan à son cou, et à ses jambes des liens, et entre le carcan et les liens une chaîne en fer. Et il disait, l'imam al-Buwayti, certes, Allah a créé sa création par sa parole kun, soit. Si cette parole était créée, comme eux ils le disent, cela reviendrait à dire qu'une créature a créé une créature. Il a dit quoi ensuite? Si je suis introduit auprès de l'Wathiq, je lui dirai certes la vérité. Et je mourrai dans les chaînes que voici, afin que des gens sachent qu'il est mort pour cette chose-là, ou pour cette cause-là, des gens ou des hommes enchaînés dans leur chaîne. Cette position qu'il a prise, cette fermeté, il l'a pris en son nom, mais il l'a pris aussi de par les conséquences qu'elles vont engendrer par la suite. Ce fut exactement le cas de l'imam Ahmed. Imaginez-vous que l'imam Ahmed aurait dit tanazulan pour enlever tout châtiment corporel sur lui, il aurait dit ce qu'il voulait, ce qu'ils entendent de lui. Mais les gens autour auraient répercuté cette parole. Et les livres, les gens auraient enregistré cette parole. Et elle nous serait parvenue à notre époque. Et on aurait dit, l'imam Ahmed a dit, le Coran est créé. L'imam al-Buwayti a dit, le Coran est créé. Imaginez-vous un petit peu, mes frères. وَلِذَلِكَ لَشْكُرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى
ثبات هؤلاء وهو الذي ثبتهم على الحق. C'est Allah tabaraka qui les a affermis sur la vérité. Et les savants disent par le bien de l'imam Ahmed et par les savants qui sont restés fermes sur cette position, la sunna a été préservée et elle nous est parvenue par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, puis par l'affermissement de ou la fermeté de ces savants jusqu'à nos jours. نتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بحبهم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم وأن يغفر لهم. ومات الإمام البويتي في قيده مسجونا بالعراق وفي سنة 31 و200 كما ذكر ذلك الذهبي في سير عالم النبلاء. Donc l'imam al-Bouaiti est mort enchaîné et en prison en Irak en l'an 231 de l'Hégire. L'imam al-Bouaiti, il a été rapporté que l'imam al-Shafi'i avait en face de lui ces trois hommes. L'imam al-Bouaiti, l'imam al-Muzani, c'est les plus grands élèves de l'imam al-Shafi'i. Et l'imam Rabi' ibn Sulayman al-Muradi. Et l'imam al-Shafi'i, il avait ce qu'on appelle le firasa. C'est-à-dire il avait cette faculté de voir des choses de par son expérience, de par sa science, de par sa clairvoyance. Il a dit à Rabi' ibn Sulayman, toi, tu mourras dans le hadith. Il a dit à Al-Muzani, si Shaitan te tient, discute ou polémique avec toi, tu le battras à tous les coups. لو نازرك الشيطان لقطعه. Et il a dit, Al-Buwaiti, wa anta satamutu fil hadid. Et toi, tu mourras dans les fers. Naam. Certains savants, ils expliquent, ça, bien sûr, ce n'est pas, l'imam Shafi'i, ce n'est pas un prophète. Naam. Voilà qu'une certaine savante explique le fait que l'imam Shafi'i avait ce qu'on appelle cette firasa, cette clairvoyance dans les choses. Et il disait que comme l'imam al-Bouaiti, c'est quelqu'un qui kana yasda'u bil haqq. C'est quelqu'un qui n'hésitait pas à dire la vérité. L'imam Shafi'i en a déduit qu'un jour ou l'autre, il sera châtié par le gouverneur qui n'aimera pas entendre la vérité à ce moment-là. Non. Wallahu a'lam. Il était aussi rapporté de l'imam al-Bouaiti. Lorsqu'il était en prison, il entendait l'adhan le jour du Jumu'ah. Wa kana yasta'iddu lil Jumu'ah wa kana yaghtasilu wa kana yamshi ila bab al habs. Faqala lahu yani al harisan ayna turid? Qu'est-ce que tu veux? Ma ayna turid? Ayna tadhhab? Anta fi sijda. Yaqul haythu da'i Allah. Haythu da'i Allah, il a dit je réponds à l'appel d'Allah tabarak wa ta'ala. Fayaqul irji' afak Allah. Il a dit retourne, qu'Allah te pardonne. Fayaqul Abu Yaqub Allahumma innaka ta'lamu anni qad ajabtu da'ika famana'uni. Allah, oh Seigneur, tu sais certes que j'ai répondu à ton appel, mais c'est eux qui m'ont empêché. Non. Et une autre chose sur l'imam al-Bouaiti, ça c'est l'imam al-Subki qui le rapporte dans Tabaqat al-Shafi'iyya. L'imam al-Bouaiti, il a envoyé une lettre, je vais vous dire exactement ce qu'il a dit, il a envoyé une lettre à Mohamed ibn Yahya al-Zahari. Et l'imam ibn Yahya al-Zahari, faqara'a alina tilka risala, faqala al-Bouaiti fiha, walladhi as'aluka an تعرض حالي على إخواننا أهل الحديث لعل الله أن يخلصني بدعائهم فإني في الحديد وقد عجزت عن أداء الفرائض من الطهارة والصلاة فضج الناس بالبكاء والدعاء له. وقال السبكي انظر إلى هذا الحبر لم يكن أسفه إلا على أداء الفرائض ولم يتأثر بالقيد ولا بالسجن. Donc, ici, Mohamed ibn Yahya al-Zahari a lu cette lettre devant les gens que l'imam al-Bouaiti lui avait écrit. Et dedans, l'imam al-Bouaiti lui dit, je te demande d'exposer ma situation à nos frères, les gens du hadith. Et qu'il demande à Allah qu'il m'enlève ses liens. Car je suis dans l'incapacité de me purifier et d'accomplir mes actes d'adoration. Et là, même Soubki dit, en commentaire de ceci, regardez ce grand savant. Il n'a même pas demandé
il ne s'est même pas plaint du fait qu'il était en prison ou par le simple fait qu'il avait des liens, mais il a pensé sur avant tout à ses actes d'adoration. Rahimahullah tabaraka wa ta'ala. يقول الشيخ رسلان حفظه الله تبارك وتعالى بعد ذكر هذه الترجمة: وقتل من قتل، وشغرد من شغرد، وعذب من عذب، وفرض ذلك بحد السيف ووقع الصوت. Des gens furent tués, d'autres chassés, d'autres encore châtiés, et ceci fut appliqué par la lame de l'épée et par le claquement du fouet, par la force. والجهمية الأول كفرهم الأئمة ومع ذلك فإن هؤلاء الولاة كانوا جهلا لذلك لم يكفرهم الإمام أحمد ولم يكفرهم أحد من أهل العلم ولم يخرجوا عليهم ولم يدعوا إلى الخروج عليهم. Les premiers jahmites furent excommuniés par les savants, mais ces gouverneurs qui avaient la croyance de Jahmiya sur certains aspects furent ignorants. Donc l'ignorance, leur ignorance, les a empêchés ou a empêché les savants d'appliquer l'anathème, al-takfir. C'est pour cette raison que ni l'imam Ahmed, ni les gens de science ne les ont excommuniés de la religion, ni ne se sont rebellés contre eux ou ont appelé à la révolte contre eux. Donc mes frères, ici, là, ça nous concerne directement concernant le chapitre qu'on est en train d'étudier. L'imam Ahmed, au regard de tout ceci, au regard de la dureté dont faisait preuve Al-Wafiq, la virulence, il châtiait, il tuait, il coupait les têtes, et il s'inventait et il se rapprochait d'Allah par ceci, selon lui. Malgré ceci, comme on va le voir, l'imam Ahmed n'a pas bougé, ne serait-ce que par le clignement de l'œil. Est-ce qu'on va dire, comme disent certains à notre époque, que l'imam Ahmed, c'est un Amil Sultan, c'est un allié du gouverneur, il est payé par le gouverneur, hein, comme certains aiment à le dire à notre époque concernant le savant la Sunna, ils sont à la botte des gouverneurs. Est-ce qu'ils sont capables de dire ça sur l'imam Ahmed? Ou alors c'est plutôt une croyance, c'est plutôt une aqida, la aqida des gens de la Sunna, qui ne voient pas la révolte et la désobéissance ou sur le gouverneur musulman. بل إن الواثق لما زاد طغيانه في هذا الأمر جاء كثير من الفقهاء إلى الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى وقد أجمع على الخروج فجاءوا يستشيرون الإمام رحمه الله فما زال بهم حتى انصرفوا. Dès que l'outrance et la transgression dont faisait preuve الواثق s'amplifia dans cette affaire, beaucoup de savants vinrent à la rencontre de l'imam Ahmed Rahimahullah, s'étant entendu au préalable sur la révolte contre le gouverneur, ils vinrent donc lui demander son avis sur leur entente. Ils ne cessaient de les raisonner jusqu'à ce qu'ils le quittèrent. En période de trouble, mes frères, qui touche toute la communauté et qui engendre par la force des choses l'effusion de sang, il ne faut revenir qu'aux savants les plus grands, kibar al-ulama. Pas les petits savants, encore moins toulab al-ilm, encore moins les ignorants. Kibar al-ulama, ou l'il-basira, ceux qui ont la clairvoyance, la science nécessaire afin de pouvoir jauger, juger, apprécier les situations selon la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si on ne fait pas ceci, c'est la catastrophe. Regardez ces gens-là. Haoula al-fuqaha, ja'u ila l'imam Ahmed, wa tafaqu ala al-khuruj ala l'imam. Ils s'étaient entendus, ils s'étaient mis d'accord pour sortir sur l'imam, sur le gouverneur. Et lorsque ils ont été voir l'imam Ahmed, il n'a cessé de les raisonner. Comment? Avec les textes du livre d'Allah Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'ils le quittèrent, jusqu'à ce qu'ils furent convaincus. فَقَدْ أَخْرَجَ الْخَلَّالُ فِي السُنَّةِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي الْحَارِثِ الصَّائِرِ قَالَ سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول
سبحان الله الدماء الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. L'imam al-Khalal rapporte dans son livre As-Sunnah par une chaîne de transmission valide, authentique. D'après Abil Harith al-Sa'ir, qui a dit « J'ai questionné Aba Abdillah, c'est-à-dire l'imam Ahmed, sur une affaire qui avait cours à Bagdad. » C'est la chose dont on est en train de parler. « Mas'alatu khalq al-Qur'an » et dont les gens voulaient, à la suite de ceci, se rebeller. J'ai dit « Ô Abu Abdillah, que penses-tu de la révolte avec ces gens-là ? » Il réprouva ceci et se mit à dire « Subhanallah, le sang, je ne vois pas cette chose permise et je n'appelle pas à elle. » C'est-à-dire à cette révolte. « As-sabru ala ma nahnu fihi ghayrun min al-fitna, tusfaku fiha al-dima, wa tustabahu fiha al-amwal, wa tuntahaku fiha al-a'rad. » والمحارم أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله قال وإن كان فإنما هي فتنة خاصة وإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل الصبر على هذا ويسلم لك دينك وخير لك ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. انتهى كلام أبي الحارث الصائغ. Et l'imam Ahmed lui a dit, la patience sur la situation que nous vivions est meilleure que les troubles ou le sang qui sera coulé, où les biens des gens seront rendus licites, où l'honneur des gens sera bafoué. N'as-tu pas vu les troubles qu'ont subi les gens à l'époque, l'époque des Sahaba et les générations d'après? Je dis, les gens aujourd'hui ne sont-ils pas dans les troubles, ô Abu Abdillah ? Il répondit, et s'ils l'étaient, ce ne serait que des troubles limités et restreints. Mais si l'épée est brandie, les troubles se généraliseront et les routes seront coupées. La patience dans ceci, que ta religion soit préservée, ceci est préférable pour toi. Et ici, il dit, je le voyais réprouver la révolte contre les gouverneurs, disant, le sang, je ne vois pas ceci permis et je n'appelle pas à ceci. Voilà la position de l'imam Ahmed. Rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Wa qad akhraj al-Khallal kadhalika fi as-sunnah 'ala 'an 'Ali ibn 'Isa qala sami'tu Hanbala yaqul fi wilayat al-Wathiq. Ijtama'a fuqaha'u Baghdad ila Abi Abdillah man Abu Bakr ibn Ubayd wa Ibrahim ibn 'Ali al-Matbahi wa Fadl ibn 'Asim. فجاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت لهم فقالوا يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشى يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك فقال لهم أبو عبد الله فما تريدون قالوا نشاورك في أن لسنا نرضى بامرأتي ولا سلطاني فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم عليكم بالنكرة بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بغر أو يستراح من فاجر. Je vais déjà vous traduire ceci. Al-Khalal rapporte dans Sunnah d'après Ali ibn Isa qui a dit, j'ai entendu Hanbal, Ahmed ibn Hanbal, dire concernant l'autorité d'Al-Wathiq. Il dit, les savants de Bagdad se réunirent autour de Abu Abdillah. Il y avait Abu Bakr ibn Ubayd, Ibrahim ibn Ali al-Matbahi, Fadl ibn Asim. Ils vinrent rencontrer Abu Abdillah. Je demandai la permission en leur faveur, afin qu'ils rentrent s'entretenir avec lui. Ils dirent, ô Aba Abdillah, cette affaire s'est envenimée, s'est aggravée et s'est répandue. Il voulait signifier la déclaration ouverte de la création du Qur'an et autres. Hein, cette chose-là, c'est bid'a. Ils dirent, Aba Abdillah leur dit, que voulez-vous? Que cherchez-vous? Ils dirent, nous souhaitons te demander conseil car nous n'acceptons pas son autorité et son pouvoir. Hein, autrement dit, ils veulent sortir de son allégeance.
Abu Abdullah discuta. Donc, il y a Fanazar et Abu Abdullah. Non. Abu Abdullah discuta. Donc, l'imam Ahmed discuta avec eux une heure et leur dit, vous devez réprouver ceci avec votre cœur. Mais ne sortez pas de son obéissance. Vous retrouvez dans les paroles des savants, quand vous regardez bien, vous voyez l'empreinte du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là. Et ne divisez pas le rang des musulmans. Ne faites pas couler votre sang et le sang des musulmans avec vous. Considérez la finalité de vos actions, c'est-à-dire regardez les conséquences de vos actions. Et patientez jusqu'à ce que le bon se repose de tout ceci et que l'on soit épargné du tyran ou du pervers. ودار في ذلك كلام كثير لم احفظه ومضوا ودخلت انا وابي على ابي عبد الله بعدما مضوا فقال ابي لابي عبد الله نسال الله السلامه لنا ولامه محمد صلى الله عليه وسلم وما احب لاحد ان يفعل هذا وقال ابي يا ابا عبد الله هذا عندك ثواب قال لا هذا خلاف الاثار التي امرنا فيها بالصبر ثم ذكر أبو عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب فاصبر وإن فاصبر فأمر بالصبر انتهى كلام علي بن عيسى. Donc il dit, il y eut beaucoup de propos à ce sujet que je n'ai pas retenu. Ils partirent, puis je m'introduisis, moi et mon père, auprès de l'imam Ahmed. Et mon père lui dit, nous demandons à Allah qu'il nous préserve ainsi que la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne souhaite pour personne qu'il commette ceci. Cette transgression envers le gouverneur. Mon père dit, oh Abu Abdullah, est-ce que ceci à tes yeux est juste? Est-ce que tu vois que cette rébellion a un fondement et juste? Il dit, non, ceci est contraire aux traditions qui nous ordonnent dans ceci, quoi, la patience. Puis l'imam Ahmed déclara, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, même s'il venait à te frapper le dos. C'est le hadith qu'on avait vu. Isma' wa ati' wa in daraba zahraka wa akhadha malak. Isma' wa ati'. Il lui dit, et si, patiente. Il ordonna la patience. Voilà mes frères, ici l'imam Cheikh Rassan n'a pas détaillé les épreuves qu'a subies l'imam Ahmed. J'y reviendrai, Inch'Allah, à la fin de ce chapitre, Inch'Allah. Car ça mérite d'être évoqué. Car l'imam Ahmed, c'est celui qui a subi le plus, qui a été châtié le plus. Et c'est celui qui avait la plus grande autorité à cette époque-là. As-salallahu tabaraka wa ta'ala niyarham. Voilà, yakhwati al-karam, hubbu al-salihin min al-iman. Aimer les gens vertueux, ça fait partie de la foi. Naam. Kama hubbu al-nabi wa hubbu al-sahaba min al-iman. Wa hubbu al-salihin al-lazina qtadaw. Al-lazina qtafu athar al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa qtadu bi sunnati al-nabi wa sunnati al-sahaba al-kiram. Wa tabi'in al-fikham. Nahnu hubbuhum fi Allahi. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إجابة إنكار المنكر. Ici l'imam ibn al-Qayyim va nous donner une règle, une ligne de conduite à adopter dans ce genre de situation. شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إجابة إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار منكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى جو رابلي un savant du 8e siècle de l'Égypte, un des grands élèves de l'imam de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré l'obligation de réprouver le blâmable afin que survienne par sa réprobation le convenable. Aimé d'Allah et de son prophète. Si la réprobation du mal implique un mal plus grand, écoutez bien,
si la réprobation d'un mal implique un mal plus grand et plus détestable aux yeux d'Allah et de son envoyé, il n'est pas permis de le réprouver. Comme le fait de sortir sur Al-Hakim, le gouverneur musulman. Non, au regard des conséquences qui en découlent, elles seront beaucoup plus graves que le fait de s'abstenir et de patienter dans les épreuves sous son autorité. Donc il dit, Ibn al-Qayyim, il n'est pas permis de le réprouver, même si Allah le déteste et est en aversion ses partisans. Comme la réprobation faite au roi et au gouverneur par la révolte contre eux. Ceci est la racine de tout mal et une cause de trouble jusqu'à la fin des temps. Aïna takfiriyoun min tilka al-aqwal. Se pose la question, mes frères, où sont les takfiriyoun de ces aqwal des ulama? Ceux-là même qui prennent yastashhiduna bi aqwal al-ulama fi ma yuwafiqu ahwa'ahum. Ils prennent de ces savants-là que dans les choses qui confortent leur déviance. Où sont les takfiriyoun qui appellent à la révolte contre les gouverneurs, qui citent Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyya, l'imam Ahmed et autres, mais qui omettent de citer ces textes-là? Ils prennent de ces gens-là, de ces savants-là, que ce qui conforte leur déviance. Tabtir et wattaqtir. Ils ne font que couper les textes. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطرب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. Il continue, l'imam Ibn al-Qayyim dit, celui qui médite sur ce qui s'est passé auparavant dans la communauté de l'islam comme trouble, grand ou petit, constatera que tout ceci est occasionné par le non-respect de son fondement. Lequel? L'écoute et l'obéissance au gouverneur. Là. Et la non-révolte contre eux. Nous avions dit que ceci est un fondement dans la voie prophétique. Là. Ceci est un fondement. Au même titre que le tawhid et que l'ittiba'. Aou tahzir wal hadr min ahli bid'ati wal mubtadi'a. Donc, tout ceci est occasionné par le non-respect de ce fondement et le manque de patience sur le mal. Il recherchera son anéantissement, c'est-à-dire le fait d'annihiler ce mal et ce qui engendra de ses actes, ce qui est encore plus grave. وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ يَرَى بِمَكَّةَ أَكْبَرَ الْمُنْكَرَاتِ وَلَا يَسْتَطِيعُ تَغْيِيرَهَا بَلْ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ مَكَّةَ وَسَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم من فإنكار المنكر أربع درجات. Il dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, voyez à Mecca les plus grands actes blâmables. Non, rappelez-vous mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait devant lui ibadat al-asnam, l'adoration des idoles. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus blâmable que ceci? Non. Mais il ne pouvait le changer de sa main. Dès lors qu'Allah lui a ouvert Mecca, qui est devenue une demeure d'islam ou une terre d'islam, le prophète était résolu à changer la Kaaba et à la reconstruire sur les fondations d'Ibrahim. Ce qui l'empêcha de faire ceci, bien qu'il en avait la capacité, était la crainte d'occasionner un mal plus grand, c'est-à-dire que Quraysh ne puisse supporter ceci de par leur islam récent. Hein? Le fait qu'il venait de rentrer dans l'islam, il se peut qu'il n'allait pas supporter le fait que le prophète détruise la Kaaba. Non, il l'a reconstruit sur les fondations d'Ibrahim. Pour cette raison-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est abstenu de le faire.
Donc il a apprécié la situation et il a pris le mal, le moins pire des deux. C'est pour cette raison qu'il n'autorise pas à se rebeller sur les gouverneurs avec l'épée, du fait des conséquences plus graves qui en résultent. La réprobation du mal est sur quatre étapes différentes, comme le cite Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Al-Ula, la première étape, an yazula wa yakhlufahu didduhu. Al-Thaniya, an yaqilla wa illam yazul jumlatan. Al-Thalitha, an yakhlufahu ma huwa mithluhu. Al-Rabi'a, an yakhlufahu ma huwa sharrun min. Intaha kalamuhu. Il dit, la réprobation du mal se fait sur quatre étapes différentes. La première, c'est que cette réprobation disparaisse et engendre son contraire. Si on arrive à faire disparaître une chose blâmable et qu'elle engendre son contraire, alors là, elle est obligatoire. La deuxième, c'est qu'elle diminue, ne serait-ce qu'en partie. Elle diminue, ne serait-ce qu'en partie. Là aussi, c'est obligatoire. Réprouver un mal, il en résulte quoi ? Soit une diminution de ce mal, soit un mal moins grave que celui qui était précédemment. D'accord ? Donc, là aussi, c'est obligatoire de réprouver ce blâmable ou ce mal. Troisième, que cette réprobation ou cette réprobation du mal engendre un mal identique à lui. Naam. هنا يتوقف فيه العلماء. Ici, les savants, ils divergent sur ce principe-là. Ou bien on le change, ou bien on ne le change pas. Et le quatrième, qu'il engendre un mal plus grand, ceci, bien sûr, c'est interdit. Comme le fait de se rebeller, entre autres, contre les gouverneurs. Ou alors le fait d'insulter les idoles des mouchriquines. Il se peut qu'ils insultent Allah par la suite. Donc, évitez d'insulter les idoles des mouchriquines. يقول شهر أسلان ومن تأمل الفتن العظام والطوام الكبار التي وقعت على أهل الإسلام وجدها إنما تصدر عن هذه الحمأة وهي منازعة أهل السلطان التي لا يتأتى منها خير قط. Il dit, celui qui médite sur les grands troubles et les grandes calamités qui se sont abattues sur les musulmans verra qu'elles ne sont le fruit que de cette boue infecte. Al-ham'a, c'est une boue infecte qui sent mauvais. C'est la rébellion contre les autorités. Ceci n'engendre aucun bien. Naam, les frères. Aqtafi bihad al-qadr. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع وحسرة لا تنقضي. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. وقل رب زدني علما.